Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand vous barrez un homme et vous voyez d'autres hommes, les filles, vous savez ce qu'ils pensent? Mais Big, dis-nous non. Vous savez ce que quand vous barrez un gars sérieux, qui était engagé, et vous sortez avec un homme qui est plus bien que lui, ou bien qui passe devant lui avec vous, je vais vous dire ce qu'il pense. Tu nous tournes même pourquoi maintenant? Dis-nous, on quitte une fois sur l'affaire là. Non? Ouais. Les hommes camerounais, quand ils vous voient avec un gars qui vous a barré, ils voient le mbangala. Et qui est? Ils voient comment les fesses, le coquille bouge dans le bobolo. Hein? Quoi? Il entend les coups, les 4 coups, les 5 coups, il compte dans son cerveau. C'est pas vrai. Le gars a chacasé. Il imagine le gars a détaché. Soulever le coquille. Fuck! Et il entend seulement comment les fesses l'ont fait contre le ventilateur. Boup, 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 boup. Zeben. Eh, grand frère, même toi là, tu es que sauvage aussi comme ça là. Je pensais que tu étais facile. Hein. Mec, dans tous les cas, grand P, on peut commencer. Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Tolis du Poit. Oui, c'est les Tolis du Poit. Comme je le dis toujours à l'accoutumée, pour celui qui veut mettre ses organes, la parole qui passe seulement comme un tassé plein. Parce qu'en ce qui concerne justement le clan, non, ça ne me concerne jamais. Parce que les gens, les commentaires qu'on tape ici, c'est les commentaires de Manchumton quartier. Donc, le commentaire des quartiers, c'est ce genre de commentaires qu'on tape ici là. Maman, actuellement, c'est dans le méta, sur Facebook là, entre Laura Kameni et Aïcha Kamouas, je ne sais pas, les gens, ça fuse de tous les côtés, tout le monde sort que c'est le dernier bal. Ça ne fait que seulement que vous m'écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Nous, maintenant, on va en discuter. C'est là, c'est là, c'est là. Des projets, on a dit que vous venez avec vos projets, c'est où? C'est dans la poubelle, non? Dans les oubliettes, non? Ok. Je vous parle aussi maintenant aujourd'hui du phénomène Laura Kameni. Laura Kameni était marié en Gaoundéré, le père de ses deux premiers enfants. Laura Kameni a commencé à avoir une relation avec le voisin. Quand son mari partait au travail, elle restait baisée avec le voisin. Quand son mari a su ça, son mari l'a mise dehors, son mari l'a chassée comme une main propre. Que merde, ça c'est quelle erreur de la nature ça. Il la met dehors. Déjà, il t'a accepté. Tes fesses sont collées à ton dos. Les formes disproportionnées à ta morphologie. La tête comme Poulipou. Il t'a accepté déjà avec tous ces défauts. On a pété sur ton visage, tu ressembles pour toi. Donc il a accepté d'avoir tout ça. Et en plus de cela, tu viens, tu le trompes. C'est comme ça que son mari l'a pris, l'a jeté dehors. Il a jeté dehors comme ça, elle a commencé à raconter partout. Qu'elle a fui le mariage parce que son mari c'est un rejet chrétien, son mari voulait la prendre la sorcellerie, son mari s'est monté, s'est descendu. Laura Kameni s'en va maintenant dans le foyer de sa mère. Fais encore la bagarre avec sa mère. Elle est sortie, vous dit quoi? Elle part encore faire la bagarre avec sa mère. Tête que sa mère va la tenir tête. Oh, ma mère, c'est une sorcière. Ma mère, c'est celle-là qui a dépendé à manger tous les enfants dans la nature. Ma mère, c'est une montée. Laura Kameni permet que son petit frère tabasse sa mère de 80 ans, une maman âgée, avec une barre de fer. Elle cautionne cela. Laura Kameni est partie s'installer à Toulouse. Vous avez vu, elle a fui Toulouse. Elle a fui Toulouse pourquoi? D'abord, première chose, elle a rencontré un gars ici à Paris qui a mangé son argent, plus payeuse comme elle. Elle est arrivée à Toulouse, elle a fait la bordellerie. Tous les points de chute, comme elle vous a dit que ma mère c'est quoi, quoi. Tous les points de chute où on pratiquait la prostitution. Reine Batoufam, s'il te plaît, je vais moi-même entrer en contact avec toi personnellement. Comme ça, tu vas nous sortir bien sa biographie. Parce que Reine Batoufam, c'était une des meilleures amies de Laura Kameni. Elle vous parle de Reine Batoufam, non? Parce que Reine Batoufam est venue donc sortir sa biographie. Laura Kameni était à Toulouse. Ses enfants, elle dit que quoi? Ses enfants, la DAS a récupéré les enfants parce que les enfants étaient mal élevés, mal éduqués. Une personne qui insulte sa mère comme ça en public, tu peux même faire certaines choses en cachette, peut donner quelle bonne éducation à ses enfants? Mal élevés, mal éduqués. Laura Kameni s'est lavé les fesses. Comme vous la voyez, elle se lève le matin avec la bouche qui sent. Elle se met pour faire les digresses sur les gens, parler, babader, machin, etc. Laura Kameni peut bien faire quoi? Une dentine, erreur de la nature. Quelqu'un que tu as dit que non, je ne veux même plus m'en occuper, il a laissé, il a abandonné. A pas dit que telle personne est dans la sorcellerie, telle personne dans la secte, telle personne dans le site, telle personne dans le ça. Laura Kameni peut dire quoi encore de bon? Laura Kameni dit que ma soeur l'a contacté. J'ai toujours dit cela que je ne crois pas au marabout, je ne crois pas aux sorciers. Je n'ai pas de soeur. Tout le monde sait que je suis enfant unique. Loulou a 2 ans. Mon petit frère Loulou a 2 ans. Avant ça, j'étais enfant unique. Donc quand Laura Kameni vient raconter des inepties, des mensonges, je dis que ma soeur l'a contacté. Quelle soeur? Aïcha Kamouas, c'est un personnage public. Tout le monde peut s'élever, venir dire que je suis la soeur d'Aïcha Kamouas. Il y a certains gars qui ont dit qu'ils m'ont baisé, pourtant ils n'ont jamais vu le fil avec lequel on a cousu mon string. Millions et millions. Laura Kameni à elle seule a au moins 5 pages. Elle a avoué dans un direct. Donc, on va écouter ce que Laura Kameni dit au fur et à mesure. Dans un direct, elle a avoué que ses multiples pages ont été bloquées. Mais Laura Kameni, il y a quelques jours de cela, tu nous avais dit que tu n'as qu'une seule page. Que tu n'as pas plusieurs pages. Laura Kameni à elle seule a au moins 5 pages. Elle a un complice au Cameroun. Quand vous appelez pour la consultation, elle va vous donner un numéro au pays sur lequel vous devez envoyer l'argent. Dès que tu envoies l'argent, on te bloque. Mais elle vient sur Facebook. Dites que, regardez bien, quand j'ai dénoncé ça, elle a commencé à donner son numéro. Elle ne donnait pas son numéro direct de la France. Quand j'ai commencé à dénoncer que Laura Kameni c'est une arnaqueuse, elle a commencé le direct sur Facebook. Hein? Elle a commencé le direct sur Facebook, son téléphone était handicapé.
Maintenant, Laure Kamenyi fait un peu maintenant les directs avec les téléphones parce qu'elle a collecté l'argent des gens. Laure Kamenyi, quand on est issu d'un viol collectif, on ferme sa bouche parce que tu es une honte pour ta famille, tes soeurs, tes frères. J'ai vu des certaines personnes dire Aïcha ne répond pas à cette femme, non, elle ne la répond pas, qu'elle est qui? Une chienne mal baisée, une femme qui peut faire pratiquement 6 mois sans prendre de chatouille son clitoris. Tu es épanouie, qui peut même déjà rentrer dans toi? Mais ce n'est que des poubelles.